Bonjour, nous sommes actuellement au mois de septembre 2013. Nous venons de recevoir la Continental GT 535 cm3 et qui vient d'arriver et que j'ai mis tout de suite en essai. Et notre ami Manu a procédé à l'essai de cette moto. Alors Manu, qu'en penses-tu de cette moto? Ça va? Bernard, je vais te demander un bon de commande. Bon. Parce que j'aurais jamais cru essayer une Enfield comme ça. C'est vraiment une très bonne bécane. Voilà. Que dire? C'est la moto qu'il faut avoir dans le garage. C'est clair. Voilà. Et la position de conduite est bonne. Et bah écoute, avec les commandes reculées, parce qu'on est équipé de commandes reculées sur cette moto. Voilà. Hein, on est équipé d'un disque à l'avant, enfin un disque avant. Je vais faire le tour pour mieux vous la faire voir. Hein, voilà. Hein. Et nouveauté, on a un frein à disque à l'arrière, ainsi que des amortisseurs au gaz Paioli. Devant, nous avons une fourche de 41 mm de diamètre avec un raidisseur qui se trouve à cet endroit-là. Je sais pas, oui, voilà. Hein, phare H4, bien sûr. Un nouveau cadre double berceau. Un moteur 535 cm3. Poussoir hydraulique. Allumage électronique, démarrage au kick et à la batterie, au démarreur électrique. Voilà ce que je peux dire. Compteur contour, je vous fais voir le tableau de bord. On va mettre le contact pour faire voir les... Voilà, hop. Voilà, exactement. Voilà, alors prêt à repartir, Manu? Ah, on a envie de rouler toute la journée avec. Bon, allez, vas-y, repars, mets-la en route. D'accord. N'oublie pas de mettre tes gants, oui. Voilà, il fait beau en plus, c'est super, là, pour faire de la moto. Beaucoup de chance. Un démarrage par kick. Ok. La compression est-elle au point mort? Oui. Contact est mis. Voilà. Il y a un démarrage ici. Hein, je vous le dis. Et pas voilà. Même, hein. Voilà. Allez, bonne route, Manu. Profite-en. Allez, je suis les moteurs.